1 ou juste la map 2 The Legend of Zelda The Lost Crystal, il me semble. Donc, on se retrouve sur une petite map en 1.12.2. Donc voilà, il y a des petits lags au début, c'est parce que la map se génère. Je crois que la map est en anglais et je crois que je n'ai vu personne faire cette map. Donc, en tout cas, on va la tester. Je sais pas s'il y aura un épisode ou pas. Mais bon, j'ai un petit peu vu l'histoire, c'est une petite map aventure. Voilà, il n'y aura pas, je vous préviens, il n'y aura pas de rythme défini du tout. C'est vraiment juste pour le fun. Donc on est parti, allons-y, let's go. Hello, I'm the Honeycomb. Donc on m'appelle le guide. Si tu veux continuer à me parler, presse T pour open le game et appuie sur continue. Ok, bien, maintenant tu sais mes guides dans les textes de scène. Allez, est-ce qu'on continue? What you see before this? An emerald currency. Ce que tu vois est une émeraude. Alors attends. Juste le jeu est en anglais, donc j'essaie un petit peu de vous traduire. C'est la monnaie de l'Oxyphi et tu peux acheter des items dans le shop. D'accord. Ces items sont respectivement. Sont respectifs à tes dans un slot. Inbox, ok. Et devant toi, c'est une inbox. Quand tu ne sais pas quoi faire, et clique dessus pour recevoir des indices après ce que tu dois faire. Trade now, hop, in the box. Donc tu as trouvé le premier indice. Important, tu ne dois pas garder ces bouquins. Box and click. Continue. Mais ouais. Ah, good, let's move. Allez. Alors, du coup, c'est une porte. Elle peut s'ouvrir avec une laser star. Presse Q, enfin, pour la jeter. What? Ah, c'est horrible. Putain, la dingue. Tiens, cadeau. Ah, putain. Pff. Je sais, le star n'a pas ouvert la porte. Tu dois la jeter. D'accord. Ok, donc, je dois vraiment la jeter, en fait. Continue. Si tu peux m'ouvrir la porte, ça serait pas mal. Du coup, il faut que je la prenne. Ah. You don't know, get your item back. This is actually key to open the door. Ah! Putain, mais ça s'ouvre pas, ta porte de merde. Je vais acheter la clé, donc je sais pas du tout ce que ça va faire. Tu peux ouvrir le truc. Super. Maintenant, la room a été ouverte. Donc tu peux continuer et open the door. Donc là, c'est un peu le tuto, donc c'est un peu nul. Un peu. Ah, putain. Alors. Int box. If the puzzle breaks. Ah, d'accord. Int box. Est-ce qu'on est obligé de prendre la inbox? Je sais plus. Est-ce que. Non, j'ai pas auto-jump. Ouh. Ah! D'accord, j'ai compris. Alors. Oh putain, mec, les commandes blocs. Je comprends bien pourquoi on est en 1.12. Enfin, en 1.11.2. Bon, ça va, c'est une petite map puzzle. Bon, le début était un peu chiant, je vous avoue. Surtout que c'est en anglais, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça passe. Je peux pas sauter, par contre, c'est un peu chiant. Good job! Je viens de te trouver un fragment de cœur. Ah, tu peux en trouver 16 d'autres. Ah, les fragments de cœur. Et pour ceux qui ne comprennent pas, ça c'est évidemment du Zelda. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Très bien. Pour utiliser la machine, tu dois placer le cœur du fragment, le laser quartz. I click to get in the fragment, spawn the button. Ok. Donc il faut que je passe ça là. Ok. In the center of the machine, a button will appear on your left. Alors. Ah oui! D'accord. Alors, il faut pas spammer le bouton. Amazing, you don't turn it. Ok, donc maintenant on sait comment utiliser les fragments de cœur. Très bien! Allez, c'est parti! Cela fait maintenant 10 ans que ton père a disparu. D'accord. Tu l'as cherché partout et tu sais qu'un artefact peut le ramener à la vie. D'accord. Pendant tes recherches, tu as construit une maison, tu t'es établi dans le pays de l'Ossifiti et tu y es resté. D'accord. Et maintenant, tu dois trouver des donjons
qui te donnera les indices sur ce que tu cherches. The Legend of Zelda. The Star Crystal, et c'est pas The Lost Crystal, c'est The Star Crystal. Parce que tu as bougé jusqu'à maintenant, tu devrais introduire. Ah oui, tu devrais t'aller te présenter au village, ouais. Ok. Alors. Ouh, les émeraudes. Ah, à nous l'argent. À nous l'argent. Y'a pas de musique, c'est un peu triste ça. Y'a pas de musique. Bon, c'est pas grave. Int Below, on s'en vend des indices, on s'en fout. On vient d'atterrir. Par contre, c'est chiant les lives. Alors. Alors, on peut pas sauter, donc ça respecte un peu Zelda. J'apprécie tout ça. Les fours du turfu. Les fours du turfu. Alors, il n'y a pas de coffre ni rien du tout. C'est hyper bien. Avec Dominique, ça aurait été encore mieux. Bon. Pas de truc. Ah. Tesla Town. Wow. Sympa. Eh ben écoutez, c'est sympa. Je pense que j'en rajouterai moi, de mon côté. Et puis, c'est hyper bien. Hein. C'est hyper sympa, je trouve. Le mec s'est gavé. Alors, tu vois, il a pas repris, tu vois, les trucs Kokiri comme tout le monde aurait fait. Shopkeeper, Jerry's House. Alors, la maison de Jerry. Bonsoir, Jerry. Comment vas-tu? Tu sais, on peut en parler de Jerry, hein. Je suis pas obligé de rester là, comme ça. Tu sais, Jerry, tu m'attires vraiment beaucoup. J'aimerais qu'on se parle. Non, Jerry, tu fais flipper. Plus qu'autre chose. Alors, salut Jerry, comment tu vas? Je te pique ton argent parce que j'ai aucun respect pour toi. Voilà. Link le voleur. Alors, ils sont deux à habiter dans cette maison. C'est sympa. C'est sympa. Hop, on dégage. Alors, on va checker. Donc là, la vache, j'ai l'impression que c'est le shop. Là-bas, il y a une mine. Ok. Alors, Jerry and Terry General Shop. Ok, donc c'est Jerry qui manigance tout ici. Ender Chest Bank. Place, sir, items. Another bank. Comment je fais pour obtenir de l'argent? Bonjour. Oh! Nickel. Alors, je voudrais un chapeau et une armure. On a un début d'armure. Bah nickel, c'est génial ça. Et les bottes. Et donc toi tu vends quoi? Toi tu vends. Donc toi c'est des loots pour trouver les mondes. C'est génial, j'adore cette map. J'adore cette map. Nous aussi d'ailleurs on essaie de faire une map avec Link, mais bon, avec notre niveau. Ouais voilà. Je n'en dirai pas plus. On peut pas sauter donc c'est un peu relou. Bonjour. Alors Tabari. Si tu veux quitter le village, tu vas avoir besoin d'une épée. Je vais t'en donner une pour gratuit, d'accord. Tu vas juste devoir bouger d'ici, d'accord. Ok, tu devrais aller au shop maintenant pour avoir quelques armures. Ok, et ouais. Est-ce qu'il y a de l'argent là-dedans? Ah merde, le chest est local. Ok, donc ah bah c'est bien. En plus, il a même fait les coffres verrouillés. Ah bah donc ça tu vois si. Ça se vend un peu de partout les coffres verrouillés. Il nous faut un peu plus d'argent parce qu'on n'a pas assez d'argent là. Le mec il va raqueter tout le monde. Bonjour. Le raquette. Link le voleur. Le raquette putain. On raquette tout le monde. Alors, Book of Remembering. On va prendre tout ça. Oui, j'aurais pu faire un shift click. Bon, faut que je puisse. Alors. Bien. Non. Bien. Donc ça, c'est un bouquin où vous pouvez marquer les trucs. Ok, on va parler à tout le monde. Bonsoir. Je suis le maire et je fais des gâteaux. D'accord. Je crois que j'ai mal compris le truc, mais bon. Je suis contente de te rencontrer. Je suis la mère du... Je suis la femme du maire. Très bien. Et là, c'est chez nous, je suppose. On peut pas sauter, ça me stresse, c'est horrible. Alors, c'est pas du tout chez nous. Ah, donc ça doit être le truc pour avoir les indices. Ok. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour du village. C'est hyper bien. Je trouve franchement ce jeu hyper bien. Épée entraînement. Donc ça doit être chez moi. Ah non, c'est toujours pas chez moi. Donc ça, c'est chez quelqu'un d'autre. Resident Lucius House. Dis-moi qu'il y a de l'argent chez toi. Le mec, il est là juste pour ça, quoi. Il veut de l'argent. Bonjour, il y a de l'argent chez toi? Ah oui, il y a de l'argent, c'est bien. Mec, c'est du racket, quoi. Il n'y a aucun respect. Le respect est décédé. Bonjour. Tu dois m'aider, my poor girl Selma. Ne reviens pas, ma petite fille Selma ne revient pas, elle est perdue dans la Fungi Forest, please help me, aide-moi à la trouver. Je fais ça une fois que j'ai trouvé de l'argent, hein. Parce que moi j'y vais pas à poil dans la Fungi Forest, tous les coups il doit y avoir des pédophiles qui doivent y traîner, je veux pas me faire violer. En plus j'ai pas de pantalon ni de bottes, peut-être me prendre des bottes parce qu'elles sont enchantes. Mec, j'ai dingue juste pour ça.
Non, franchement, j'adore cette map. J'espère en tout cas que cette map vous plaît. Hein, puisque moi je l'adore. Au début, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Alors, toi, tu vends. Allez, pour 7. Ah ouais, putain, c'est cher, mon pote. Et tu vends quoi? Après, tu vends des pommes et de la bouffe. De la bouffe, tout ça, on en a. Donc, ne t'en fais pas. Après, est-ce qu'on est en difficulté? Attends, je regarde juste si on a la difficulté qui est activée. Normal, très bien. On est en difficulté normale. Alors, Feather Funning. Très bien. On va pouvoir y aller, je pense qu'on a tout. Alors, on va juste se garder les émeraudes à côté. On va se mettre de la bouffe là. Et on peut pas se crafter de pain. Est-ce qu'il y a une table de craft chez nous? Non, mais on se garderait pas les trucs là. Ouais, au cas où. Au cas où, on va se les poser là. Alors, je sais pas s'il y a du keep and monitoring par contre. Est-ce qu'on ferait pas mieux dormir avant? Donc, où est-ce qu'on peut dormir? On va dormir chez nous, hein, c'est logique. On va les dodo et puis on va du coup attaquer le truc après. Après, je sais pas si on peut dormir. Normalement, on peut dormir. Si le jeu est bien fait, on peut dormir. Ouais, on peut dormir. Eh ben écoutez, c'est sympa là, déjà, là, le son qu'on a fait. C'est hyper classe, je trouve. Alors, de faire une map comme ça. Alors, lead bed du coup. Ah putain. Et ça. Ah, la map a bugué. Je retrouve une fois que j'ai enlevé le bug parce que là c'est vrai. Voilà, on se retrouve bien après puisque j'ai tourné la fin de l'épisode, évidemment on n'a pas tourné. Donc voilà, donc je vais rien ramasser en plus, mais je vais juste me montrer un petit peu donc qu'est-ce qu'on va faire. Donc alors je vais commencer par aller au shop puisque j'ai récupéré de quoi. Mais d'ailleurs maintenant je peux sauter. Donc je sais pas du tout si basé, peut-être que j'ai des corocos, maintenant ça marche. Donc voilà. On va aller au shop, on va s'acheter le pantalon, comme ça on aura la fin. Et en fait, ce qui s'est passé dans cet épisode, c'est déjà qu'on est parti voir la grotte. On est parti voir la grotte, donc qui était celle-là. Et donc du coup, je vais quand même vous faire le dialogue, hein, voilà, tranquillement. Et donc là, le mec, il nous fait ah, je suis désolé, mais tu peux pas passer. Oh, je vois. Ah, d'accord, tu peux passer en fait. Voilà. Ensuite, ça c'est, on est arrivé là-dedans, dans cette petite grotte. Et là, il y avait encore un fil, et ici, ça faisait apparaître des araignées. Donc là, ici, c'était, c'est tout ça a été rempli de feuilles d'arbres. Puis, on est arrivé là, et là, ça a fait ouvrir un truc pour des zombies, qui nous a pété à la gueule. Puis ensuite, on a appuyé sur cette bague de pression, qui a déclenché... oui, ça va très vite, mais bon, j'en ai un peu marre. Qui a déclenché un mur qui s'est ouvert avec des flèches enflammées, qui a fait brûler tout ce truc. Donc voilà, ensuite on est arrivé à la Fungi Forest où il y a la petite fille qu'on devait trouver. Donc c'est un petit peu comme les bois perdus. Donc ici il y a des creepers. Vu qu'on en a un pour 9, je préfère les faire péter. Vu qu'on en a un pour 1, je préfère les faire péter. C'est plus rapide. Ah, voilà. Donc à gauche il me semble qu'il n'y a rien. Il me semble que c'est à droite qu'il faut que j'aille. Voilà. Ensuite il fallait que j'aille ici. Et du coup, je suis arrivée à la Forest Clearing. Du coup, je vais continuer un peu l'épisode. Hein, où cet homme me disait qu'il s'était perdu dans cette truc en cherchant le Shroom Shrine. Et qu'il s'était établi ici et qu'il me conseillait de partir tant que je pouvais. Et là, dans ce journal, il dit que le château est bien protégé. Que la forêt est bien protégée. Donc, il se demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit, du coup je m'étais arrêté là, mais on va un petit peu continuer, hein, parce que là on a un petit peu speedé tout ça, donc... Oh putain, je sais pas sortir une porte. Donc, alors, on va essayer du coup de se trouver la sortie. Alors, c'est par là la suite. Il n'y a pas d'autre suite, non. Donc c'est par là. Alors, on y va. Alors, oh là là. Alors, tu pètes. Donc, nickel. Ensuite, tu pètes. Ah, et ça pique. Ensuite, viens là. Tu pètes. J'ai dit que tu devais péter. Voilà, non, parce qu'en fait, avec le 1.9, avec le système 1.9, c'est un peu relou. Là, on s'enfonce un peu plus dans la forêt, donc il y a de moins en moins de luminosité. En plus, il va faire nuit. Donc, c'est la merde. On va aller par là. Ok, alors, on s'est gavé. Là, je pense. Hop. Oula. Alors, une tête de zombie pigmen. C'est toujours rassurant. It's a bit pig head. A couple of lives. Oh là. Attention. Oh là là. Alors attendez. Ça, on fait péter. Aïe.
Et ici, on a du coup une espèce de mini cave. Ok. What? Comment on descend là? En sneak, peut-être? What? Bon, on peut pas y aller, j'ai l'impression qu'on va peut-être y aller. Peut-être qu'il y a un bouton, est-ce que dans ce bout là? Non, il n'y a rien. Ok, on va remonter. Il fait nuit, donc c'est pas du tout rassurant. On peut partir par derrière si on veut, mais il y avait un coffre, quoi. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas de bouton à actionner par hasard? Non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Non, bah, je vois pas. Ok, bon, on va continuer. Donc ça c'est le devant, donc on veut aller derrière. Ah, ça y est, je peux plus sauter. Et on est de retour dans la clairière. On va dormir, on va dodo. En espérant que ça ne me fasse pas laguer comme tout à l'heure. Ok, nickel. Ça a marché. C'est chiant du coup là. Mais je peux bien bel et bien plus sauter. Je peux courir par contre, donc c'est pas mal ça. Alors on va prendre un autre chemin du coup. On va prendre un autre chemin. On avait pris le chemin de tout là-bas. Ah non, on avait pris celui-là. Donc on va prendre celui-là. Ok, là il y a encore des creeps. Viens là, toi, pète. Ok. Alors là il y a encore un chemin. Hop. Putain, nous revoilà arrivés. C'est un putain de labyrinthe, hein. Donc ça sert à rien d'aller à gauche et tout droit, donc il faut qu'on aille à droite. Puisque à gauche, on l'a bien vu que ça ne servait à rien. Perso, j'ai rien trouvé. Ah bah dis, pète, hop, nickel. Et on arrive dans la clairière. Donc, il faut forcément que je fasse un truc avec ça. Est-ce que tout droit, il y avait d'autres choses? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant? Parce qu'à part les creepers, il n'y avait rien du tout. Hein. Hop, hop, merci. Il y avait quoi dans cette forêt? Ah non, il n'y avait rien. Parce que là, on arrive à la fin. Là, bon, on va revenir à la clairière. Donc, ça ne sert absolument à rien. Ah oh, putain, vous comprenez, on devait revenir ici. Non, donc il y a un seul chemin. Et c'était celui là-bas. Alors, peut-être qu'il y avait d'autres chemins alternatifs que je n'ai pas vu. Donc, on va les réessayer. Avec la tête de cochon, il me semble qu'il y avait un autre chemin, non? Ah putain, je prends toujours le mauvais chemin. Alors on revient. On va y arriver. On va y arriver. Hop. Je sais pas du tout où aller. Alors, à gauche, bonsoir. Hop. Ah putain, à gauche, mais... je sais même pas où est le vrai chemin, quoi. On pue un peu la merde, là. Hop. Mangeons un coup. Hop, donc à gauche, j'ai dit, pas à droite. Bonsoir, salut, tout le monde. Hop, nickel. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un autre chemin? Alors, nous, on avait pris... on avait pris à gauche, il me semble. Si je suis pas con, on avait pris à gauche ou droit. On avait pris à gauche, semble-t-il. Donc, on va prendre tout droit. Ok, donc tout droit, ça nous fait revenir encore une fois à la clairière de la forêt. Ok. Comment est-ce qu'on va faire? Alors à gauche cette fois-ci, on prend la gunpowder, ça se fera, on pourra revendre ça au village. Hop, donc c'est à gauche, il y a pas de truc à droite. Ah si, il y a un truc à droite, on va aller checker le truc à droite. Ok, encore des mobs, alors tu pètes. Ok, je me soigne. Et on vient de se faire exploser par un creeper et... Ah, génial, on vient de se faire exploser par un creeper. Super. Bon, au moins j'ai vu qu'il y avait l'équipe inventory, donc ça me met bien. Hop. Alors, on disait gauche. Hop. Droite. Je pense que c'est plus par là qu'il faut qu'on aille. Hein. Droite. Après, je pense qu'il y a aussi un quart de cœur là-bas. Hop. 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 Ah. Je vois le donjon, mais je peux pas y aller. Est-ce que j'ai pris un mauvais chemin? Warning, do not walk near the hedge if you won't fall and you die. Ah!
Ah, c'est un problème. Ah, de toute façon, une fois qu'on est là, on est décédé parce qu'on peut pas sauter. On ne peut pas sauter. Donc on peut pas non plus aller par là. Pourtant, on a vu le donjon. Donc on a pris un mauvais chemin. Donc on va essayer d'en prendre un autre, du coup. Je vais essayer quand même de m'arrêter devant le donjon, ce serait pas mal. Alors, bonjour, ensuite... Ah, oui, bonjour, c'était par là. Hop, ensuite, bonjour, ensuite, c'était par là. Hop, et donc, du coup, on va aller... en fait, il y a qu'un seul chemin, je suis un peu con. Donc, tu m'étonnes, en fait, il y a qu'un seul chemin. Hop, hop, alors, ça serait pas mal que vous arrêtiez de péter. Ah. Hop, nickel, super. Oh, il y a des mini champignons. C'est trop bien. C'est une nouveauté de la 1.11, je suis pas au courant. Non, je suis peut-être con. Alors, Ok. Ah, donc le donjon est là-bas. Et là, il y a... Et là, il y a un autre chemin. And choose is great with athletic ability may pass. Ah, donc il y a un truc qui s'appelle l'athletic abilities. D'accord, j'ai compris. Athletic abilities, en fait, ça nous permet de sauter. Ok. Et là, on l'a pas encore. Donc, en gros, là, il nous faudrait l'athletic abilities pour passer par là. Et sinon, il y a un autre chemin ici. Et bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Voilà, comme ça, je vais chercher, je pense, l'autre chemin en off. Parce que sinon, ça va prendre des heures. Ou alors, je chercherai avec vous la prochaine fois. On se retrouvera la prochaine fois pour l'épisode 2 de cette série parce que mon dieu ça m'a l'air un bon jeu quand même et ça va être assez sympa. Donc je vous dis à la prochaine fois, c'était Grand68. N'hésitez pas à vous abonner à la coutume, à ma chaîne perso, à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo, à parler de la chaîne autour de vous. C'était Grand68, allez, bye.